premier rendez-vous du CNC. Le premier rendez-vous, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. L'objectif de cette journée et de ces rendez-vous qui vont perdurer, c'est de répondre aux besoins des céramistes dans des sujets périprofessionnels, c'est-à-dire tout ce qui ne touche pas à la terre, tout ce qui peut permettre aux céramistes d'exercer leur métier du mieux qu'ils le peuvent, voilà, sans se soucier des à côté. En tout cas, en ayant des éléments, des outils pour qu'ils puissent exercer au mieux. Donc, je tiens vraiment à remercier la commission événement qui a mis sur pied cet événement, qui l'a organisé et qui fait qu'il existe aujourd'hui. Ça a été un travail d'une année, de plusieurs personnes. L'objectif de cette commission, en faisant cet événement, c'était de créer du lien. À créer du lien entre nous, en interne, mais aussi créer du lien en externe. Il y a des personnes donc, qui vont intervenir. Il y a Fanny Dantès de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, qui nous fait le plaisir de participer et de nous faire part d'éléments intéressants et innovants sur la commercialisation. C'est la possibilité de créer des passerelles entre des structures. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, en tout cas lorsque j'étais président, de pouvoir optimiser les stratégies que nous mettions en place mutuellement. Voilà. Il va y avoir Sarah Heng, qui va intervenir en tant qu'agente céramiste, qui va nous faire part d'une vision un peu décalée de la commercialisation de nos pièces aujourd'hui. À la fois décalée, innovante, mais très très intéressante. Frédéric, qui est où ? Qui est là ? Voilà, Frédéric, délégué de Terre-Neuve du Sud-Ouest, qui est reconnu dans notre métier pour la création de boutiques associatives et collectives, qui nous parlera de cet outil comme étant vraiment la possibilité de promouvoir la céramique, tant sur le plan personnel que aussi territorial. Également, d'autres structures qui nous ont aidés dans cet événement. Je remercie Pôle Céramique Normandie, avec la présidente qui est ici, Rosemarie Decroix, qui nous soutient dans l'organisation de cet événement. Et puis, la Maison de la Céramique de Dieulfi, qui est présente, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous soutient également. Voilà. Le thème de ce premier rendez-vous, c'est optimiser la commercialisation de la céramique dans les petits ateliers aujourd'hui. Donc, pourquoi on a choisi ce thème et comment on a choisi ce thème ? La commission événement a demandé aux adhérents du CNC, fait une étude sur les besoins qu'ils pouvaient avoir dans leurs ateliers. Et ce thème est ressorti. Je ne sais pas si vous le constatez, mais en tout cas, c'est mon cas en tant que jeune céramiste, non pas jeune en âge, mais jeune en termes d'années d'atelier. La commercialisation, la vente des pièces reste un sujet important. Il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution qui se passe. Les céramistes d'il y a 25, 30, 35 ans, n'ont pas du tout les mêmes difficultés à vendre leurs pièces aujourd'hui sur le marché. Donc, il y a une évolution sociétale, il y a un changement qui s'est opéré et qui fait que lorsqu'on s'installe aujourd'hui en tant que céramiste, eh bien, on a des réflexions, des questions à se poser
pour pouvoir vivre sereinement et vivre simplement notre métier. L'objectif, c'est ça. C'est de pouvoir permettre aux céramistes qui s'installent aujourd'hui de vivre de la transformation de la terre. Quand je dis vivre de la transformation de la terre, c'est pas être riche à millions, c'est simplement de pouvoir assumer les responsabilités qui sont les nôtres dans nos vies quotidiennes parce que nous exerçons un réel métier. Et ce métier, il a besoin d'être rémunéré. Au cours de mon mandat de président et par rapport à la période que nous avons traversée du Covid, j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone tout un tas de personnes en difficulté par rapport à ce thème-là. C'est-à-dire que, bonjour, voilà, je suis céramiste et j'éprouve une réelle difficulté, je n'arrive pas à vendre mes pièces. Voilà. Et ce constat, j'avais au téléphone toutes les semaines des personnes dans ces difficultés-là. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir exporter des savoir-faire et que vous pouvez prendre, ça sera à disposition. Alors, comment va se dérouler ce premier rendez-vous ? Ce matin, vous allez avoir les différents intervenants qui vont vous proposer des éléments en lien avec ce thème. Il ne s'agit pas de vous transmettre quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité. Ce sont simplement des éléments que vous avez à votre disposition. Ça vous parle, vous prenez. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Il n'y a pas une direction à prendre par rapport à ce thème. Il y a autant de sensibilité qu'il y a de potier. Mais simplement, là vont vous être proposés des moyens qui, si ça vous parle, vous pourrez intégrer ça dans votre atelier. Ensuite, nous irons déjeuner, à midi, et nous reviendrons cet après-midi pour procéder à une table ronde, un échange, par rapport aux interventions que vous aurez eues ce matin. Donc, ce matin, il n'y a pas de questions-réponses. Vous allez pouvoir entendre les interventions et cet après-midi, poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à ce thème. Aux intervenants. Voilà. La fin de la journée sera autour de 16h30. Donc, on est ensemble jusqu'à 16h30. Il y a une pause ce matin de 20 minutes, donc on pourra échanger aussi de manière officieuse sur ce qu'on veut, échanger ensemble, et puis profiter du repas aussi de cette convivialité. Ce rendez-vous est un lancement, c'est-à-dire que tout au long de l'année, la commission événement va faire en sorte que nous puissions avoir des réponses et aller au fond de ce thème pour tous ceux qui en auraient besoin. C'est-à-dire que là, on va aborder des éléments, mais on va effleurer des thèmes. Et l'idée, c'est que l'optimisation de la commercialisation de la céramique dans les petits ateliers aujourd'hui, on le traite à fond. Donc, il va pouvoir peut-être y avoir des rencontres régionales, peut-être des ateliers qui vont se passer en visioconférence, peut-être des thèmes qui vont être développés de manière différente, à voir. Ça, c'est la commission événement qui va s'en charger. Mais une fois qu'on a lancé ça, l'idée, c'est de tirer le fil du thème pour que chacun puisse obtenir toutes les informations dont il a besoin.